Janvier 2023. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous nous suivez de partout sur Congo Live Télévision. En direct ce matin et en exclusivité, nous recevons Christophe Mouissa, militant du mouvement citoyen Félinde. Christophe, bonjour et bienvenue chez nous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci d'avoir songé à nous ce matin pour venir parler de l'actualité congolaise dans cette situation aussi difficile, des moments troubles. Et nous saluons également les nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. En tout cas, nous allons parler de l'actualité. Plusieurs questions d'actualité d'ailleurs ce matin. Mais nous commençons par ce qui intéresse beaucoup plus le monde. Ça, il faut en tout cas l'avouer parce que c'est ce combat qui se déroule toujours dans les massifs Rutshuru, Nord Kivu. Nous avons appris ce matin que les affrontements ont repris ce mardi matin entre l'armée congolaise et le M23. Des sources locales parlent que les combats se déroulent à quelques kilomètres de Kichanga. Une source militaire nous a confié et qui parle de deux rebelles capturés et précise que les FRDC se comportent bien sur le terrain ce matin. Christophe, comment vous comprenez et vous recevez cette actualité? Bon, c'est avec une grande joie parce que nous devons rappeler à nos téléspectateurs et à l'ensemble de l'opinion que les FRDC sont une armée professionnelle, une armée républicaine qui respecte les droits humains, qui respecte également les droits internationaux humanitaires, et elle ne peut pas se comporter ou agir en rebelle ou en terroriste. Donc tout ce qui est en train de se passer sur la ligne de front, nous devons le souligner que les FRDC, c'est une armée qui se comporte très bien, quelles que soient les quelques trahisons que nous avons pu enregistrer, mais qui ont déjà été démasquées. Et voilà, les combats ont repris, ils ont réussi à capturer certains des terroristes du M23. Et les FRDC se comportent très bien parce que déjà ce matin, on nous signale déjà la reprise des combats, mais également les FRDC contrôlent déjà Burungu qui est à quelques mètres de la cité de Kichanga, pour ceux qui connaissent la zone. Et nous pensons que dans les 48 heures qui sont devant nous, la situation pourrait être déjà sous contrôle de nos FRDC parce que l'ennemi est en train d'enregistrer de lourdes pertes. Et je crois que d'ici là, il y aura une bonne nouvelle qui va être lancée dans l'opinion et nous serons tous encore très contents du comportement de nos FRDC. Alors, Monsieur Christophe, revenons en arrière. Kichanga a tombé il y a quelques jours. Comment comprendre pendant qu'il faut préciser, ça faisait longtemps, vous, mouvement citoyen, société civile, ainsi que la population civile, ne cessait d'alerter sur l'avancée. L'avancée, voilà, des rebelles du M23 dans différentes zones. Et du coup, nous avons pu Kichanga être prise par les rebelles. Comment comprendre cela? Vous savez, en matière de guerre, on peut bien bon dénoncer, on peut alerter, on peut tout faire, on peut dire tout ce qu'on peut, mais la stratégie militaire a plusieurs pesanteurs, notamment ce dont on ne peut pas peut-être parler sur les médias, parce que si vous comprenez la manière dont Kichanga est tombé, et si vous suivez le communiqué ou soit les interventions de nos officiers supérieurs, on vous dit qu'à Kichanga, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu d'affrontement à Kichanga. C'est-à-dire, au-delà de ce que la population entendait, qu'il y ait de véritables affrontements, les FRDC ont compris qu'il ne fallait pas combattre à Kichanga pour ne pas exposer notre population. Et les FRDC, dans toutes leurs positions, ils ne cessaient de le dire que les M23, c'était un mouvement qui ne respectait pas les conventions de combat. Donc, c'est un mouvement terroriste auquel les FRDC ne pouvaient pas jouer le jeu de l'ennemi. Et du coup, il fallait que nos forces de sécurité respectent également les règles de combat, les conventions liées à la guerre. Et voilà, on a été obligé de faire un repli stratégique pour céder et pour protéger la population. Et l'ennemi, malheureusement, a pensé avoir vaincu les FRDC par des combats, alors qu'en réalité, il n'y avait pas de combat. Il ne fallait pas exposer notre population parce qu'on craint, avec la démographie de la population
qui habitent Kichanga, il ne fallait pas vraiment déclencher les hostilités dans cette région-là. Sinon, on enregistrerait encore de nouveaux massacres qui s'ajouteraient à ceux-là qui étaient déjà ajoutés à Kisiche. Et en armée républicaine et professionnelle, il ne fallait pas commettre encore cette erreur parce qu'à Kisiche, on avait déjà compté des milliers de victimes. Il ne fallait pas encore que ce soit encore les FRDC qui soient à la base des massacres à Kichanga. Sans oublier que déjà vers les années 2008-2007, Laurent Kunda avait commis des massacres encore à Kichanga. C'est-à-dire, la population de Kichanga est déjà traumatisée par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Et les FARDC, conscientes de ce qui s'était déjà passé dans les temps du CNDP, ils s'étaient dit non, il ne fallait pas encore traumatiser cette population. Nous pouvons faire un repli stratégique et nous saurons comment contenir l'ennemi afin de lancer des offensives qui respecteraient les droits humanitaires internationaux et qui également protégeraient nos populations pour ne pas les mettre dans des conditions difficiles. Mais vous êtes revenu sur les mots, il faut dire. Très célèbre aujourd'hui, les mots repli. C'est pas la première fois, on précise qu'on écoute ces mots repli stratégique dans cette guerre qui oppose la RDC au Rwanda. On parle du M23. Au Rwanda, c'est vous qui le dites, voilà. Mais comment comprendre, parce que c'est pas la première fois, c'était la même chose à Bunagana, même chose à retour au centre, même chose à Kiwanja, et c'était le cas aussi à Kichanga. On va continuer à écouter ces mots repli stratégique jusqu'à quand. Vous savez que cette guerre n'est pas conventionnelle. Ce n'est pas une guerre entre les États. C'est au fait un gouvernement qui se retrouve devant les terroristes, les gens qui agissent sans foi ni loi. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils n'ont pas de méthode de combat. Ils ne connaissent peut-être rien. Ce sont des gens qui ont fait quelques marches de crapauds, on leur donne des armes. Et les FARDC en armée professionnelle et républicaine, ils ne peuvent pas jouer le jeu de l'ennemi. Et du coup, lorsque l'ennemi agit dans tous les sens, sans le respect des normes et des règles de combat, parce que vous savez, le droit humanitaire international a déjà réglementé la manière dont la guerre pouvait se tenir. Et l'M23 n'a aucune notion de ces matières-là. Alors, si les FARDC aussi peuvent agir dans ce sens-là, est-ce que vous imaginez les degrés de combat ou des dégâts qui peuvent se produire si les FARDC se comportent aussi de la sorte? Alors, voyant la manière dont les M23 est en train de réagir, les FARDC est dans l'obligation, non seulement républicaine, de protéger sa population, parce qu'elle agirait pour protéger la population, mais également, elle doit se rassurer qu'elle est en train d'étudier les stratégies de ses militaires, de ces rebelles-là, pour enfin lancer des offensives qui respectent plus ou moins les règles de combat selon le droit humanitaire international. Et c'est ici que nous sommes en train d'interpeller notre opinion. Les FARDC font partie des 10 meilleures armées, loin d'ailleurs du Rwanda, de l'Ouganda et tous ces pays, et ces fameux pays qui composent l'EAC. Qui viennent nous aider ici. Qui viennent nous aider, effectivement, parce que nous sommes dans une organisation sous-régionale où les États ont déjà géré, où se sont déjà engagés à coopérer sur les plans de renforcement militaire. Et du coup, comme nous faisons partie, et le Kenya sait que si aujourd'hui nous ne parvenons pas à aider les États membres de l'EAC, effectivement, c'est une situation qui peut embraser toute la région. Et est en sérieux victime. Donc, les FARDC, au-delà de tout ce qu'on peut dire de cette armée, elle est en train de respecter les règles du droit international, des règles de la protection des civils, parce que c'est aussi ça les serments qu'ils ont prêté. Mais si nous pouvons dire que les FARDC pourraient réagir comme le groupe d'autodéfense, comme les rébellions, et nous serons dans une jungle. Donc, vous avez suivi les communiqués des FARDC, vous avez suivi les porte-parole. Ils vous disent que d'ailleurs, le président de la République, de son retour du voyage, il a dit que toutes les mesures sont en train d'être prises pour que nous puissions récupérer tous les territoires jadis occupés par les M23. D'accord. Parlons également de cette actualité. Monsieur Christophe, vous avez lu les communiqués de l'armée congolaise. Il faut revenir sur quelques ligne. Les officiers rwandais membres de l'état-major de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont été enjoints de quitter en tout cas les sols congolais, a déclaré le général Sylvain Kenge dans un communiqué officiel rendu public hier soir. Je cite, pour des raisons sécuritaires, la RDC, la République démocratique du Congo a enjoint les commandants
de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est de rapatrier dans leur pays les officiers rwandais membres du quartier général de la force basée à Goma. Comment vous analysez cela, monsieur Christophe? Bon, c'est parce que le Rwanda s'est entêté dès le départ, mais le gouvernement congolais avait déjà exprimé son souhait de ne pas voir les officiers rwandais se retrouver dans la force régionale qui devrait être déployée à Goma. Mais contre toute attente, nous sommes surpris que les Rwandais font partie de cette force alors que le Rwanda fait partie des pays agresseurs. Mais nous avons compris parce que le Rwanda fait partie des pays contributeurs de la paix dans l'East Africa Community. Parce que vous savez que c'est une organisation sous-régionale dans laquelle la RDC a intégré récemment, dont le Rwanda faisait déjà partie des pays à la base de la création de cette organisation. Et du coup, le Rwanda, non seulement il fait partie des opérations militaires sur le terrain, mais le Rwanda aussi fait partie des services de renseignement et de l'administration militaire de l'EAC. Donc, c'est le Rwanda qui coordonne le Rwanda, les renseignements d'ailleurs. Jusqu'aujourd'hui, donc, dans toute la région, parce que l'EAC, c'est une organisation qui a trois grands objectifs. Le premier objectif, c'est l'intégration économique, socio-économique de ces pays membres. Le deuxième objectif, c'est l'intégration institutionnelle, parce que pour eux, l'EAC devrait devenir un État fédéral dont chaque pays devrait être géré par un gouverneur. D'ailleurs, le président Tshisekedi l'avait reconnu à un certain moment. Et il y a le troisième objectif, c'est le renforcement militaire pour éradiquer l'insécurité et pour permettre l'intervention militaire dans des États membres. C'est dans ce cadre-là de solidarité qui sont venus en République démocratique du Congo, d'autant plus que c'est un pays qui représente beaucoup d'intérêt pour ces pays-là de la sous-région et qu'ils ont gagné pour adhérer et intégrer l'Eastern Africa Community. Et du coup, ils ont tout intérêt à ce que ces pays soient pacifiés. Voilà pourquoi tous ces pays se sont engagés à venir aider la République démocratique du Congo. Malheureusement, parmi ces mêmes pays qui font partie de l'EAC, nous y retrouvons le Rwanda et l'Ouganda, qui sont des pays agresseurs dont le gouvernement et même la population congolaise a dit, en tout cas, il ne valait pas la peine que nous puissions intégrer ces pays aussi longtemps que nous avons des relations très tendues avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Donc, jusque-là, la population reste sceptique. L'intégration de notre pays dans cette organisation n'est pas jusque-là saluée par notre population, et du coup nous sommes en train de solliciter à notre population, que si, à notre gouvernement, si effectivement l'EAC ne parvient pas à mettre fin aux hostilités, à entrer en jeu comme les stipules d'ailleurs la feuille de route qui avait été signée à Luanda. Et ici d'ailleurs le chef d'État de la sous-région devait dire comment est-ce que les M23 peuvent saboter tous les efforts du processus de Luanda, de Nairobi, et qu'il reste vraiment réticent pour lancer les offensives contre les M23. Parce que l'objectif du M23 dans ce sens aujourd'hui, c'est de vouloir avoir un nouvel accord. Parce que l'accord de Luanda, la feuille de route, c'est un accord qui les accable, qui les met dans une position de faiblesse. Parce que dans cet accord, il est dit qu'ils doivent se replier. Ils doivent premièrement cesser les hostilités et se replier dans les anciennes positions de Sabinho, de Runyoni et de Chance, de là où ils ont commencé. Mais ils ne l'ont pas fait, ils continuent la conquête, l'envahissement vers de nouveaux villages. Ce que moi je recommande, premièrement, est que les M23, pour l'indiscipline et la délinquance, ils doivent subir la puissance des faits, que ce soit des FARDC, mais également de la force de l'EAC. Dans les cas contraires, c'est que nous dirons que le M23 ne respecte pas les droits humanitaires internationaux, ne respecte pas les accords qui ont été signés par les efforts des chefs de l'État, et du coup, ils doivent être considérés comme tels et être traités comme des terroristes, et doivent subir la puissance des faits. Mais monsieur Christophe, en lisant, en suivant ce Kinshasa, surtout avec ces communiqués-là, on a l'impression que la situation s'aggrave du jour les jours. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est loin de trouver une issue à cette crise? Non, la solution à la crise actuelle n'est plus diplomatique. Moi, je pense que la solution doit être beaucoup plus militaire. Et nous demandons que les FARDC, au-delà de toutes les démarches diplomatiques qui aujourd'hui ont montré leurs limites, il faut appuyer sur l'accélérateur militaire en fait que et les FARDC et les EAC puissent entrer en jeu, comme le stipule d'ailleurs la feuille de route de Luanda qui recommande à l'EAC
si les M23 ne se retirent, d'ailleurs, on leur avait donné un délai de 48 heures de lancer les offensives. C'est-à-dire, la zone Tampo devrait être occupée par les FARDC et les AC, ils doivent lancer les offensives parce que les M23 n'ont pas respecté les conventions de la feuille de route. D'accord. Revenons sur ces propos du président Tshisekedi. Il a dit, je cite, hier, aujourd'hui ni demain, ok, compatriote n'acceptera de céder le moindre centimètre du territoire national au Rwanda. S'adressa au corps diplomatique en RDC. Le président Tshisekedi, en tout cas, demande des vraies sanctions contre les Rwandais. Bon, on y revient parce que avant les sanctions, les États de la communauté internationale, les cinq pays permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ont déjà exprimé leur condamnation à l'égard du Rwanda qui a soutenu et qui continue à soutenir le M23 non seulement en logistique militaire mais également en hommes, en effectif. Et vous comprenez que le Rwanda et l'Ouganda, au-delà de toute la bonne foi que le président Tshisekedi leur avait montré en leur accordant, en leur signant des accords, de leur proposa même des accords coopération économique et militaire, ils ont foulé au pied parce que nous sommes en mutualisation des forces avec l'Ouganda dans la partie nord pour combattre les ADF. Pour combattre les ADF. Mm-hmm. On est en bonne collaboration. On était déjà en bonne collaboration avec le Rwanda parce que le président même, ils avaient signé un accord de traitement des raffineries de l'or congolais au niveau de Kigali. Mais tout cela, le Rwanda n'a pas pu respecter. Et voilà, le président est passé à l'offensive pour dire ces dialogues, ces accords, nous pouvons d'abord les rompre parce que le Rwanda ne les a pas respectés. Il a continué à soutenir et à armer les rebelles du M23 qui agressent notre pays. Et du coup, on n'a plus raison de nouer de très bonnes collaborations avec le Rwanda. Ce que nous, maintenant, nous recommandons à la communauté internationale, de la même manière qu'ils sont en train d'imposer les sanctions à la Russie qui a agressé l'Ukraine, c'est de la même manière qu'on doit imposer les mêmes sanctions au Rwanda. D'ailleurs, nous félicitons le prix Nobel grâce à sa diplomatie, à ses démarches, Denis Mukwege. Ouais. Aujourd'hui, les 20 millions que l'Union européenne devrait accorder à l'armée rwandaise, c'est déjà bloqué. On ne va pas, je doute fort qu'on va encore financer l'armée rwandaise qui devrait se déployer au Mozambique. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et que l'institution puisse aussi activer auprès des autres partenaires, qu'ils soient de la République démocratique du Congo et du Rwanda, d'arrêter certains soutiens au Rwanda pour que le Rwanda se retrouve effectivement sanctionné et abandonne son soutien au M23. Merci beaucoup. 3 minutes restantes pour mettre fin à cet entretien. Nous parlons de l'actualité aussi du jour. Mmh. C'est l'arrivée du pape, vous savez, c'est un grand événement, pas seulement au Congo, en Afrique et au monde entier, parce que l'arrivée, la visite du pape, en tout cas, ça intéresse la communauté internationale, donc tout le monde, vous voyez un peu là. Monsieur Christophe, fils du Nord Kivu, le pape arrive à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Quelles sont vos attentes? Ce sont des attentes. Nous le souhaitons d'abord la bienvenue comme notre souverain pontife. C'est lui qui représente aujourd'hui l'autorité spirituelle de l'Église catholique et nous le reconnaissons pour ça. Et le pape aujourd'hui, il a d'ailleurs contribué, la papauté a contribué au maintien de la paix dans le monde. Et pour le Congo, je pense que le Congo ne sera pas exclu aussi de bénéficier de sa diplomatie parce qu'il fait partie des plus grands diplomates du monde et il doit aider la République démocratique du Congo à retrouver également la paix. Il vient dans un pays où ça fait plus de 25 ans que les populations sont en train de pleurer. Il vient dans un pays où il y a des déplacés internes. Il vient dans un pays où les massacres des enfants et des femmes continuent. Et nous lui rappelons, et je sais qu'il le sait avec ses services, que le Congo est un pays où il y a le plus grand nombre de chrétiens catholiques. C'est-à-dire qu'il doit tout faire pour veiller à la sécurité de ses fidèles, mais également demander à tous ces pays agresseurs qui entourent la RDC à cesser de soutenir les rébellions. Parce que ce sont des enfants de Dieu qui sont en train de mourir, ce sont des fidèles catholiques qui sont en train d'en pâtir et qui sont en train de souffrir. La messe qu'il va dire à Kinshasa, ouais, qu'il n'oublie pas la situation de l'Est,
qui n'oublie pas de demander la cessation des massacres et des hostilités, qui n'oublie pas également des enfants déplacés qui sont dans des camps, et nous demandons la solidarité mondiale sur le plan humanitaire pour que les gens attirent aussi leur attention par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Nous, à Goma, à l'est de la RDC, nous avons recommandé d'ailleurs au pape de se retrouver, de venir dire la messe ici, mais compte tenu de son agenda surchargé, il ne va pas effectuer son déplacement ici, mais nous savons que nous avons des délégations, nous avons également des institutions qui vont plaider à ce que la situation de l'est soit aussi prise en compte par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser et que les papes puissent aussi en tenir compte. Nous plairons tous les jours et nous pensons que les papes, c'est l'une des personnalités qui peut dire un mot par rapport à cette situation et ça peut s'arrêter. Merci beaucoup Christophe Moïse. Je rappelle que vous êtes un activiste des droits humains, militant du mouvement citoyen Filimbi. Merci de nous avoir accordé cet entretien réalisé en direct de Goma. En direct sur Congo Live, je rappelle que nous sommes le mardi 31 janvier 2023. Christophe, merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie, merci les journalistes. Je remercie également l'ensemble de nos téléspectateurs qui sont à travers le monde. Et nous continuons à lutter pour notre pays et nous espérons que ce pays va changer. Et grâce au courage et au dynamisme du peuple congolais, en tout cas, nous espérons que ça va aller. On sait que tu peux avoir votre numéro de téléphone. Mon numéro, c'est le 09 98 33 58 60. Merci, mesdames et messieurs. Je vous fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévision. Mardi 31 janvier 2023, mesdames et messieurs, en direct nous recevons Christophe Moyenouka.